Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Et nous accueillons tout de suite cette personne qui va nous faire gagner de l'argent, qui va peut-être même changer nos vies. Ah. Bonsoir Amir. Bonsoir l'équipe. Ah, bon, alors, Amir, voilà. Déjà, les gens se demandent comment tu vas, tout ça, la vie, bien, la famille? Bien, bien. Alhamdoulilah, ça va, t'as. Je vais bien, je vais bien. Je suis la journée au bureau avec vous, je passe la journée. Alors, je reçois des snaps parfois pour me dire, ah, t'es plus dans l'émission et tout. Mais ouais, si. Je suis dans l'émission, je fais toujours les chroniques. Pablo, du coup, des ouais. réseaux sociaux, me remplace aux réseaux sociaux, il le fait bien. Ah, merci. Et sinon, je suis toujours là. Toujours. Et alors, attention, parce que grosse pression pour toi ce soir. Ça fait depuis le début de la journée qu'il nous parle de cette chronique en nous disant « J'ai une solution de ouf pour faire de la thune ». Donc, je te cache pas qu'on est tous très impatients. On t'écoute. Quelle est cette solution incroyable? Arrêtez de faire genre aussi, vous êtes en dèche. Bah alors, oui. Moi, personnellement, ça va en ce moment. Mais enfin, Anso, je t'assure qu'elle est en dèche. Moi, personnellement, on est le 19 du mois. Si on pouvait accélérer pour arriver au 30, là, ce serait pas mal. Bon, je comprends. C'est la hesse pour tout le monde. Alors. Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous aider, pour vous faire gagner de l'argent ce soir avec quelque chose que vous avez tous en poche. Machallah. Ah bah, c'est facile. Un téléphone. Avec votre téléphone, vous allez, juste après cette chronique, pouvoir gagner un peu de thunes. Alors, ça va aller de 0 euro à 1 million d'euros. Wow. Non, attends, Amir, promets-nous qu'on peut aller jusqu'à 1 million d'euros, tu mens. J'ai surtout promis que vous pouvez partir de zéro. Ouais, c'est ça. Mais attends, c'est quoi? C'est une application? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est grâce à Instagram. D'accord. Grâce à Instagram, alors un petit peu pour résumer la situation, en l'espace d'une année par exemple, eh bien les posts, les photos sponsorisées sur Instagram, elles ont doublé. Vous pouvez maintenant proposer aux marques de sponsoriser vos photos et de vous faire rémunérer justement pour ces photos. Vous léguez ce qu'on appelle vos droits. Ça m'intéresse. Ça m'étonne pas. Petit code au calme, ça m'intéresse. Dès que tu vois un code promo, il y a Marion derrière. Ok. Bah alors, la question que vous allez tous vous poser, peut-être aussi au boulot, là, au taf, sous la couette, combien coûte un post? Et surtout, combien coûte son post sur son compte Instagram? Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de followers, par exemple. Alors justement, c'est un peu la question la plus difficile, là, comme ça, de vous le dire à chacun votre tour. Alors, ça prend en compte le nombre d'abonnés, mais pas que, parce qu'on peut acheter des abonnés. Ouais, c'est ça. Dédicace à ceux qui en achètent. Ouais. Mais ça prend en compte aussi l'engagement, le clic, etc. Enfin, c'est un espèce de package. Mais attends, Amir, moi ce que je comprends pas, les gens qui nous écoutent, qui ont très peu de followers à la maison, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais même s'ils ont 10 followers. Même à 2 followers, Mario. Bah, ils vont rien gagner, les pauvres. Ouais, mais ça dépend. C'est une moyenne, en fait. Ça dépend de comment ta communauté réagit. Ça dépend des partages. Ça dépend de plein de choses, j'imagine. Et puis surtout, tu peux avoir 4 followers avec les bons hashtags. T'apparais dans les tendances Instagram et tu peux faire des 800 000 likes. Enfin, je me suis enflammé là. Ouais, mais tu peux faire beaucoup plus de likes que tu n'as de followers. Ouais. D'accord. C'est important de mettre des hashtags. Alors, du coup, j'ai trouvé un site internet qui m'a permis justement de pouvoir juger, et c'est pas une blague, puisque le site, je vais vous le filer après. J'ai mis le compte Instagram de Star sur ce site et ça m'a donné le prix des posts. Ah d'accord, ok. Ok, donc combien ces stars peuvent gagner grâce à leurs posts? Avec une photo, bien sûr. Rihanna, avec une photo, elle est payée entre 85 000 et 145 000. Euros? Euros. Bah ouais. Mais t'imagines, la meuf, elle est même plus obligée de sortir de disque. Ouais, plus de 53 millions de followers. Followers. Ok. Beyoncé, elle gagne entre 160 000 et 210 000 dollars. Ouais. Ah ouais. Et celle qui est numéro 1 monde, bien sûr, sur Instagram, c'est Selena Gomez. Ouais. Qui, elle, touche entre 200 000 et 350 000 dollars. Oh là pour là. Une là photo. Là là. Oh là là. Ouais, pour une photo, c'est beau quand même. Mais après, c'est Selena Gomez. Elle est extrêmement suivie et elle fait vendre. Allez voir sur son Instagram les photos pour plein de marques de boissons rouges et tout. Oui. Bon, bah, dites-vous qu'elle a touché 300 000 boulettes. Hein. Voilà. Oh là là. Ouais, mais en même temps, elle est pas. Selena Gomez, elle est pas très bien en ce moment. Oui, elle a besoin de ça. Non, mais c'est vrai, attendez, elle vient de se faire greffer un rein. Hein. Oui, c'est vrai. Greffer un rein. Greffer un rein. Hein. J'ai compris, elle vient de se taper Raffarin. Ma mec! Ah oui, rien à voir, c'est pour ça que je comprenais pas 300 000 balles pour Raffarin.
Ok Amir, et est-ce que t'as d'autres infos pour nous? Ouais, bien sûr. Du coup, je me suis amusé à faire la même chose, mais avec l'équipe. Ah donc oui. J'ai mis les comptes Instagram de l'équipe. Ah bah ça doit être beau. Certains auditeurs se disent déjà, même je pense à la maison et l'équipe, combien ils peuvent toucher. Ah bah vas-y, moi ça m'intéresse vraiment. Alors pour Marion et Anso, j'ai pas voulu le faire pour une histoire de business. Oh non. Mais pourquoi? Oh non, j'ai envie de savoir, Miro, s'il te plaît. Vous voulez vraiment que je le dise? Bah, oui, évidemment. Bah de toute façon, je le ferai pas, vas-y. Bon, en gros, pour Marion et Anso, faut compter entre 1500 et 2500. Machala oh là là, plus d'un SMIC. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Mais est-ce que... Bon, bref. Ouais, du coup, c'est entre 1500 et 2500, les filles, si demain vous le faites. Après. Ouais, mais moi, je veux. Si je le fais vraiment un jour, c'est sur un produit auquel je crois. Je ferai jamais pour les trucs là qu'ils proposent, en fait, parce que c'est toujours les mêmes produits, on est d'accord, les trucs de thé et compagnie. Ouais, puis ça, les trucs de thé pourris et compagnie, là, c'est 200-300 euros. Hein. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est déjà pas mal. Eux, déjà, ils abusent. Bon, maintenant, je vais faire le tour de l'équipe. Vas-y. Ah. Enzo. Yes. Tu pourrais toucher entre 45 et 75 euros. Non mais attends, mais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que ça donne une idée aussi aux auditeurs qui, eux, ont peut-être autant de followers que toi. T'en as combien? Un peu plus de 5000. Ah oui, c'est bien. Ouais. Ah mais attends, mais après, attendez les gars, c'est forcément, on part des sommes de Selena Gomez, Beyoncé, tout ça. Forcément, ça nous fait rire, mais Enzo, 45 et 75 euros, c'est une petite fourchette. Attends, tu fais rien, hein. C'est cool, hein. Ah c'est non, une photo. Hein. Mais Tati, moi, il m'appelle, je le fais direct. Ok, les autres. Thibaut, tu pourrais gagner entre 32 et 53 euros. Allez! Bah déjà. Bien. Pablo des réseaux sociaux, tu pourrais gagner. Arrêtez de rigoler. Attends, là, Pablo, juste, il a combien de followers à peu près? Il en a 530 et quelques. Mais faut pas compter les followers parce que je vous ai indiqué déjà. Ça donne une fourchette. Bon, mais non, parce que oui, si tu veux, 500 et quelques. Il a 500 et quelques abonnés. Ouais. Et alors combien? Alors là, ça m'a pas donné de fourchette, ça m'a donné un prix cash. Allez. 7 euros. 7 euros. Eh, machallah, c'est mon budget pour la semaine de bouffe. Bah oui. Bah, je suis frais, moi. 7 euros, tu es sûr qu'il le ferait? 7 balles, je le fais. Hey. Juste un, du standard. Je suis sûr qu'il est mieux que moi en plus. Tu serais payé 1 euro. Oh. Oh, burn. Et je... C'est horrible. C'est pas bien de se moquer déjà. Et pour finir cette séquence, j'ai voulu le faire sur une personne de l'équipe que vous ne connaissez pas, puisqu'il travaille dans l'ombre avec notre graphiste, qui s'appelle JR. Oui. Donc j'ai voulu tester sur son compte. Et donc là, mon pote, il a écrit moins 10. C'est-à-dire que c'est toi qui payes en fait les marques. C'est énorme. Bah, alors, non mais alors, juste Amir, on est d'accord, juste pour recentrer le truc, que tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent, quel que soit leur nombre d'abonnés, leur like, etc., tenter l'expérience, et même s'ils ne se font pas des milliers d'euros, avoir peut-être 10, 20 ou 30 euros en fonction des postes, c'est accessible à absolument tout le monde. Attends, si, c'est donc la sortie rue Jean Moulin, il y a deux sorties. Alors attendez Claude, deux secondes, parce que là j'ai le chicot qui se déchausse, c'est le sperme qui m'attaque là-dedans. Là ça fait mal Claude, hein. Comme vous êtes infirmière, je me permets. Claude? Oui, je vous écoute. Bah, peut-être vous avez des conseils par rapport au chicot qui se déchausse.